Les gars, bonne année, bonne santé, mes meilleurs voeux, que vous exposez tout le monde au basket, que vous mettez des gros dunks, que votre progression soit flan, t'as compris quoi, que ça aille haut, et voilà, les frérots, je vous souhaite tout ça, la santé, que votre famille, tout se passe bien, et voilà, le plus important quand même, que sur le terrain, vous défoncez tout quoi, y a pas d'excuses, et que vous arrêtez de chercher des excuses, et qu'on s'organise pas quoi, qu'on pète on les défonce quoi les frères, je compte sur vous. Un vlog spécial entre les fêtes de Noël, voilà, en tant que basketteur, donc à haut niveau, qu'est-ce que je peux faire en basket quand je vais voir ma famille, comment je fais, parce que je suis pas forcément à la salle et tout, donc je vais tout vous montrer en même temps. Là, ça tombe bien, je vais tout simplement, les gars, à la salle, donc on est mardi, il me semble que, ouais, on est mardi, hier on était lundi on a shooté, on a fait beaucoup de shoot, à deux, à plusieurs, on a fait des oppositions, et on favorisait beaucoup le shoot, donc voilà, et j'ai fait aussi la séance du haut du corps, et puis là, bah, et puis là les gars c'est le haut du... Normalement c'est le bas du corps aujourd'hui. Mais comme demain je prends le Blablacar pour aller voir ma mère, bah j'aurais pas le temps de courir dans le Blablacar. Donc par contre je pourrais faire mes jambes dans la chambre. Donc les frérots, là on va tout simplement inverser et on va au Luc Léger. Attendez, que je suis pas si motivé que ça, mais bon. J'ai dit à un gars, Hugo normalement, Thibaut il devrait être là. Il est chaud aussi, donc on va faire le Luc Léger. On a inversé justement le mercredi et le mardi, on s'est adapté pour ne pas rien faire tout simplement. Donc let's go. Là on y va, il caille. Franchement, il caille, on est le matin. Ce soir, il y a entraînement en plus, donc c'est pour ça qu'on le fait le matin. Parce que comme ça, le Luc Léger, après, j'ai le temps de faire de la récup eau chaude, eau froide, justement. Après, pour pas avoir les jambes trop lourdes ou se blesser à l'entraînement de soir. Donc les gars, on se rejoint sur le terrain. Go! Donc les gars, on est arrivé. Là, les gars, il est chaud. Là, on va faire du bip, 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 bip. Bon les frérots, c'est méga dur. En plus, le Luc Léger, ça va qu'on était deux, mais ça va jusqu'au palier 12 après fin du test, on a été jusqu'à 12. Par contre, je peux vous dire déjà à 9 ou 10, tu te dis putain, t'es sûr que je vais aller jusqu'au bout. C'est là que ça commence à être dur et que c'est mental et c'est là qu'il faut s'accrocher. Vous aurez tout le temps un petit palier, vous allez dire vous êtes sûr, mais vous êtes capable. Faut juste se surpasser, enlever ce truc mental. Pensez à ce moment-là des objectifs, des trucs qui vont vous faire accrocher. Et puis, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Faut se bouger, les gars. Frérot, là, voilà, je vais vous montrer, c'est l'entraînement du mardi. Voilà, donc ce matin, tout à l'heure, les gars, il y avait un gros Luc Léger. Les jambes courbatures, ça va parce qu'on en a pris soin. On les a caressés dans le sens du poil. Enfin, voilà, quand on a fait la douche au froid, levé de jambes, un peu d'étirement. Là, je vais refaire l'étirement actif, la mobilité. Puis on part sur un petit entraînement. Demain matin, il y a le Blablacar. Voilà, demain c'est mercredi, donc j'avais inversé comme vous savez le Luc Léger et le bas des jambes, donc je vais voir comment je vais faire le bas des jambes, je vous montrerai, je vais tout vous vloguer pour vous montrer un peu comment ça se passe la vie d'un sportif du basket, à savoir ce qu'on fait quoi. Le DJ, allez c'est parti. La Delta Family, comme vous pouvez le voir, donc là je suis pas chez moi, on a pris le Blablacar, on a fait 6h10, 6h30 de route. Là je viens de me réveiller parce que c'est pas le même jour, t'as capté. Le Blablacar c'était juste horrible parce que t'avais les jambes pliées, t'étais derrière, j'ai mal au dos. Ensuite j'ai mangé un petit truc sur l'autoroute, j'ai été grave malade, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, je me suis dit, je vais prendre une petite salade, je vais pas, parce que j'avais bien faim, j'avais pas prévu de me faire quelques petits trucs avant, pas de carottes, pas de brocolis, chef. Du coup je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais prendre... salade. Ah, tu ne devineras jamais ce que la salade m'a procuré. Je suis arrivé vers la maman, j'avais mal au ventre pendant je sais pas combien de temps, je te jure, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien.
un genre d'intoxication. Donc après, j'avais fait un truc pour le nez et tout ça. Et bon, il n'y avait pas de truc sanitaire chelou dans le nez, donc ça va. Donc les gars, voilà, ça m'a bien fait mal pendant un petit temps. Voilà, donc là, je vais vous montrer un petit peu comment, dans ces genres de situations, je fais pour faire un petit peu mon sport. Donc vous allez voir, j'ai peut-être pas toutes les infrastructures ou pas tous la salle pour, mais c'est pas pour ça que je vais m'arrêter. Donc vous allez voir tout simplement tout au long de mes vacances, bah, quelques petites choses que je vais pouvoir faire au niveau du sport ou autre, et comment dans ma vie je le fais quand je rentre dans les fêtes. Voilà les gars, donc c'est tout. Là, sans plus attendre, dans une chambre où je dors, nous allons faire le sport. Voilà, c'est là, hein. Donc là, tout à l'heure, j'étais juste en bas, là, on est en train de préparer les trucs de Noël. Donc la maman a fait la déco, elle excelle dans ça. Donc là, je sais pas où trop je vais avoir de la place. Ça, c'est la chambre où je dors. Donc là, je vais faire de la proprioception. Enfin non, je vais faire du renfo. Je vais faire du renfo au niveau du bas du corps. Et puis, je vais faire du relâchement pour mon bassin, parce que là, ça tire un peu beaucoup. Donc je pense que si je mets ma caméra là, je peux... Voilà. Voilà, donc là, tu vois, ça c'est une partie du programme, les frérots. Donc ouais, j'ai dû décaler un petit peu le programme, parce que là, quand je suis allé chez ma mère, c'était un petit peu difficile pour les salles de sport ou autres. Mais je me suis trouvé une alternative. Donc là, c'est bas du corps, la famille. Donc c'est parti. Je pense que vous voyez pas tout. On va mettre peut-être là. On va renforcer le quadri. Voilà. De toute façon, pour les exercices que je fais, différents exercices, moi je le fais par rapport au programme que j'ai donné. Donc c'est une vidéo que j'ai sortie. Donc voilà, je vous mets tout simplement là, juste à côté, à quoi ça ressemble. Puis je vous mettrai le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Là les chefs, c'est la préparation. Là on a fait les jambes. Là je redescends exprès pour prendre les chaussures et faire tout ce qui est mollet. Et puis... Puis là, t'as la maman qui bosse. Là, la maman, elle rigole pas. Hein. Là, elle rigole pas. C'est bizarre qu'elle a pas fait encore un TikTok. Hein, hein? T'as pas le temps. Ah, pas le temps. Non, et voilà, en tout cas, il y a toutes les petites préparations qui se font. Et puis, voilà, même là, dans la cuisine. Voilà. Tout se fait, les gars. Voilà, on reste sain. Ça, c'est bon pour les genoux. Bon pour le corps, tout ça. Hein. Donc là, les gars, sans plus attendre, moi, je les aide beaucoup, là. Je suis en train de beaucoup les aider dans l'énergie, dans tout ça, vous voyez. Donc, Ah, faut que je range mes affaires. Ouais. Incontente, là. Ouais, c'est super. Tiens. Ah oui. Voilà. C'est bon, je range mes affaires. La maman a dit, sinon je vais être puni. Pas de cadeau. Hop, allez, et là, on réattaque les jambes, les gars. Yo la mif, les gars, là c'est parti, on va voir tout simplement, donc avant d'aller manger, tout simplement le Père Noël, les frérots, donc on a fait une petite sortie en famille là, donc on va voir tout ça, et puis voilà, donc je vais vlogger en même temps ce petit passage. Après demain, on prend la route les gars, parce que demain c'est le train, donc là je retourne là où j'habitais avant, donc à Corvol, et puis on va continuer le sport là-haut, donc on voit ensemble les frérots, ciao. Finalement, on devait voir le Père Noël, mais le Père Noël, il est tombé du traîneau, donc il est pas là, le Père Noël, du coup, c'est pas grave, là, on rentre, on va aller manger, tout simplement, et puis, je vous mets un petit peu dans le train demain, je sais pas si je vais pouvoir faire du sport dans le train, mais je vais attaquer quelques petits montages. Bon les gars, voilà, donc là on est chez Joe, voilà, boxeur. Une bonne tête mon Joe, une bonne tête le chef. J'avais oublié le micro, il était un peu loin, désolé pour le son. Voilà, donc en ce moment, donc là je dors chez mon Joris. Donc ça c'est tous les amis d'enfance. J'ai motivé Nico, voilà, qui faisait du basket avec moi avant à Corvol. Bon bah maintenant il a plus misé sur la raclette. Et du coup là on va faire le petit sport ici. Donc vous avez vu, on n'a pas une salle exprès quoi. Mais il y a le petit feu, il y a tout, il y a les petits chats. Hein, et bah let's go. Là on va faire simplement le haut du corps, donc tout ce qui est gainage, autre. Et puis voilà, sans plus attendre les gars, c'est parti, c'est maintenant. Toi tu dors mon kiki.
Tu dors? Hein? T'es bien, tu vas faire le sport? Le gainage? Les frérots, le sport fini. Donc là, ça a fait du bien. Vous avez vu, c'est pas forcément long là ce qu'on a fait, mais ça fait du bien. En tout cas, là, on va aller faire quelques petites courses là vers Auxerre. Parce que ce soir, on est le repas dans ma famille avec mon meilleur ami. Donc on va aller faire ça. En attendant, il y a ma petite Juju qui prépare quoi? De la soupe de carottes. Donc voilà, on essaye de rester un petit peu léger entre les séances. Enfin, entre Noël quand même, parce que vous savez, on mange beaucoup en famille, donc ça fait beaucoup. Donc voilà, on se rejoint pour la prochaine séance. Je ne sais pas où ça sera, j'espère que ce sera pas dans les bois ou dans un autre concept, mais les gars, en tout cas, on tient bon. Non, ça se voit que c'est au micro-ondes. Que sache. Ah non. Là, j'avoue que c'était un jour très dur. Pourquoi? Parce que j'avais la flemme. Je me suis dit non, là c'est le jour des jambes en plus. Mais il y a le petit feu, il y a tout. J'appelle la petite musique, je mets la petite musique et je fais tout simplement les jambes. Donc voilà, demain, à savoir que demain c'est cardio. Là, ça va pas être la même. C'est bien marrant de faire la fête, mais il faut garder tout simplement le bon rythme. Donc bon, on va garder le bon rythme, c'est pas un souci. On va s'accrocher, faire les jambes. La motivation, où je la trouve? Bah, je me dis que quand j'arrive à la rentrée, bah, d'être bien et de pas galérer, d'être mieux que quand je suis parti, c'est une satisfaction personnelle. Donc je veux cette satisfaction personnelle, donc on lâche. Poppers, et ça c'est Happy. Happy, tu dormais là. Arrête en caméra, aucune hygiène. Pour dire la vérité, là je m'apprête à faire le Luc Léger, là, le bip 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 ici. J'ai pas de plots, rien, mais j'ai des verres, je vais le faire. Ma motivation elle est de 1 sur 100. Voilà, parce qu'il pleut, j'étais au chaud, il y avait le petit chauffage et tout. Donc autant dire que là j'ai pas trop de motivation. On va faire les 20 mètres. Il pleut, ça rage, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais bon, vous savez pourquoi on le fait. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, boum, voilà. Là, j'ai mis mon verre du PJBC, là-haut, au bord de l'eau. Quand c'est que j'ai trop chaud, je flotte dans l'eau. Bon, bref, hop. Et là, je vais pas perdre de temps, je vais y aller directement parce que autant dire qu'il caille. Et voilà, j'ai fait ma mobilité avant. C'est bon, pas d'excuse, go. Dame. Voilà, j'ai cru que j'allais tomber. Bon, les frérots, je sais pas si j'ai mis les plots un peu plus loin, mais au palier 11, j'en pouvais plus. D'habitude, je vais au palier 12 et plus. Donc, c'est bien. Déjà, je l'ai refait, d'accord. Je baisse pas de motivation, mais voilà, j'ai vachement eu du mal. Il pleuvait, déjà le mental ou autre, c'était très compliqué pour moi. J'ai pas vraiment fait ça facilement. Je sais pas si c'est dû au fait ou quoi. Après, nous, généralement, on a que 2 entraînements par semaine, donc... Si j'aurais rien fait, autant vous dire que je pense que ça n'aurait pas changé grand chose non plus, mais comme je veux aller dans la progression ou autre, j'essaie de me surpasser, même sur des moments compliqués comme ça. Mais on va rentrer les frérots, c'est sûr. On va rentrer, on va se laver. On va pas oublier les étirements, l'eau chaude, l'eau froide. Voilà, pendant les vacances un petit peu. C'est pas facile d'enchaîner les repas un peu.
c'est pas nimble, j'essaye de manger des trucs assez bons, mais bon, vous savez, à chaque fois, le petit foie gras, petit machin, c'est pas non plus bon. Donc c'est vrai que le midi, quand je suis pas invité ou quoi, je me fais que des trucs, des légumes ou de la soupe. Voilà, j'essaye de garder une bonne alimentation, c'est pas facile. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, mais on reste accrochés, les frérots. Et voilà le vlog, je sais pas où j'ai été me perdre là. Je sais pas si vous connaissez cet endroit, mais à mon avis, avant, il y avait des gros concerts là. Je crois qu'il y a eu Michael Jackson. Non, je rigole. C'est une vieille blague. En tout cas, voilà. J'ai ramassé mes petits verres en plastique PJBC. Je savais pas qu'ils allaient me servir un jour de plot. Mais les gars, j'en suis claqué. J'en peux plus. Mais frérot, sincèrement, c'était vraiment, mais vraiment dur. Là, bon, on est un autre jour, forcément, il s'est passé, bon, les étirements, les tout ça, bref, je vous passe, voilà, on approche de plus en plus. Bah, je crois que ce soir, c'est le 31. Bah non, en fait, on est le 31. Du coup, après, c'est le jour de l'an. En fait, ce soir, c'est le jour de l'an. Donc, c'est soirée avec tous les amis d'enfance. Aujourd'hui, on va pas rien faire, hein. Là, j'étais en train de faire le montage pour la vidéo que là, vous regardez, c'est excellent. Et il y a mon gars qui dort encore, hein. Donc, on va aller le réveiller, je vais aller tenter un truc. Voir s'il va aller courir, parce que j'ai pas envie de refaire du bip bip bip, mais comme j'ai fait un petit palier en moins, bon, parce qu'il pleuvait, parce que ça glissait, parce que machin, on cherche pas d'excuses, on va partir du principe, c'est parce que je suis mauvais, et du coup, je vais essayer d'aller courir. Lui, il faisait du foot avant, donc on va aller réveiller les chefs. C'est lui qui dort, il est revenu de Dijon hier, lui, il a l'habitude de faire du foot, bon, il avait fait du basket aussi, lui, avec moi, mais il y a longtemps, longtemps, et on va voir s'il dort encore, le chef. Les chefs ici, ça dort. Je crois qu'il... Il est où le chef? On va lui ouvrir. Oula! Un chef! Bien dormi! Oh le chef! Elle est où ta femme? Bon Vince, faut se réveiller. Je te propose un truc gros, c'est qu'on aille courir si t'es chaud. Non gros, on n'est pas dimanche. On est vendredi, chef. Bon vas-y gros, je te laisse te préparer, on en avait parlé un petit peu avant quand même hier, mais voilà, on va aller courir, il est un peu motivé, lui il fait du foot tout le temps sur Dijon, donc là je suis venu le réveiller, il est tôt ce matin, il fait beau, grand soleil, les gars je sais pas si vous voyez, en tout cas je le fais chier ce matin, regardez le soleil, ouais, les gars on est dans le sud, hein. Non, on est pas dans le sud, hein. Ouais mon petit Vince, tu te prépares, tu mets tes crampons, tu décrottes tout ça, bien on y va. Ta motivation sur 10? Moins 15. Moins 15. Mais je t'ai pas demandé la température de dehors, toi. Chiant. Ouais, les gars. Oh, tous les jeux de société. Allez, les gars, mobilité articulaire. Là, il y a le soleil, les frérots. Cours le long du canal. Au moins, on aura fait quelque chose. Si on mange trop de petits cours ce soir, on s'en voudra pas. Ça fait déjà 2 minutes. J'ai pas l'habitude. Ouh, les gars, dame. Attends, les gars, juste je vous montre. Je mets la pause. Pause. Tac. Les gars, on a fait 45 minutes. Le battement par seconde, je verrai assez après. Et mon ressenti, les frérots, c'est que j'en ai chié sa mère. Parce qu'en fait, comme je disais à mon gars, bah l'endurance, les frérots, ça n'a rien à voir. Et je pense que l'endurance, le fait d'en gagner un petit peu comme ça, bah ça va me faire gagner en lucidité quand va falloir revenir en contre-attaque ou autre, ou après que j'ai fait une bonne course. Donc franchement, les frérots, ça fait plaisir, on l'a fait. Bon, le chef, il m'a attendu, heureusement, parce que même si lui, il fume et tout, mais franchement, bonne endurance, le chef. C'est bien, et puis voilà, là on va rejoindre notre gars, Joris. Et putain, et je suis mort les gars, ça va boire de l'eau aujourd'hui. Les articulations, on va essayer de faire attention avec les tendinites. Souvent, faut pas en faire trop, ils disent, mais bon, ça va, je suis confiant. Faut bien que je mange, juste ce soir, je vais pêcher un petit peu, mais bon. Après, je vais reprendre correctement, et puis là, cet après-midi, voilà, je raconte un peu ma nuit. Mais voilà, les gars. Cool les frérots, on est parti acheter, tu vois. Plein de petits trucs, les gars, on va faire un... On va se régaler. Une dinguerie. Frérot, ça rentre de course. Bon, lui, il a sa petite box toute prête.
Ouais, beaucoup plus beau là qu'en peignoir, le chef. Bon, là, les frérots, je vais vous expliquer. Je fais un petit peu à manger pour mon gars avec qui j'ai couru. Lui, il est pressé parce qu'il bosse après. Mais là, je m'occupe d'un petit truc. En fait, je vais faire des petits toasts aux avocats. Dessus, je mettrai des bails, quoi. Et puis là, je vais mettre du poulet. Voilà. Hein. Voilà les frérots, je veux pas vous monter tout mon tuto YouTube, tuto cuisine là non plus, pas comme j'ai déjà fait une ou deux fois, non mais je vais vous monter le résultat parce que je vais faire ça beau. Vous allez dire, oh là là, lui il est cuisinier. Ça se trouve ça va être dégueulasse par contre, ça j'ai pas dit, ça se trouve ça va être dégueulasse et ça va être moche, ça se peut aussi. Voilà, là on est lundi, c'est aujourd'hui que ça reprend, le lundi 3, la vidéo elle sort aussi maintenant, le lundi 3, les frérots, et puis voilà, donc ça c'était pendant mes vacances, qu'est-ce que j'ai pu faire un peu, donc voilà, je suis resté, donc avec la famille, vraiment j'en avais besoin énormément, donc ça m'a fait vraiment, si j'avais pas pris ce temps-là pour aller voir ma famille, je peux vous dire que j'aurais rentamé une saison, enfin l'autre partie de saison, pas du tout pareil, pas dans le même esprit, j'aurais fait mon basket, machin, avec pas la même motivation, donc des fois, franchement, un rien, ça peut paraître pas grand-chose, mais pour moi c'était beaucoup, voilà, mais c'était pas pour ça que je devais lâcher le basket, parce qu'il était très important pour moi de continuer dans une onde très positive. Donc voilà, tout simplement. Après, j'aimerais bien savoir, vous, si vous avez fait un petit peu de sport ou pas pendant ces vacances, si vous avez bien profité des fêtes de Noël et tout ça. Et puis voilà, si vous avez réchauffé votre cœur. Quand je dis ça, j'adore. N'oubliez surtout pas de lâcher un pouce bleu, d'appuyer sur la barre, donc t'abonner, voilà, parce que ça fait plaisir, ça soutient la chaîne. Parce que t'as vu, j'ai essayé de... Je te partage tous mes moments, machin, autres. Bah, récompense-moi par un petit like ou abonne-toi, ou partage si tu veux vraiment faire le mieux. Voilà. Et puis, tu sais, tu viens souvent sur Instagram et, ou autre me demander des problèmes que tu as rencontrés ou autre. Bah, viens plutôt sur Discord parce que je ne vois pas tout forcément les messages, surtout sur Instagram. J'essaye d'en répondre quand même à certains, ça arrive franchement. Ça je le fais, mais quand vous êtes, je reçois par exemple 60 messages en un jour dans les... Non, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que Discord avec ce serveur-là, ça sert à ça. Et puis même moi des fois, où tous ceux qui ont du vécu basket, il y a des joueurs qui haut niveau sur le serveur, donc même certains plus haut niveau que moi, et ils peuvent vous apporter leur expérience. Donc faut pas hésiter vraiment à aller faire un petit tour dessus.